Bonjour, mesdames, bonjour, messieurs. Vous êtes bien sûr dans Zone Arrêt. Là maintenant, c'est l'espace partenaire. Voilà, nous sommes avec notre partenaire Olivier qui vient encore une fois nous parler de Infinix Note 40 et Infinix Note 40 Pro. Déjà, vous savez bien que quand on est jeune, on doit être à la mode. Et quand on est à la mode, on doit utiliser Infinix Note 40. C'est pourquoi même je l'utilise. Merci déjà de nous suivre et bon arrivée à Olivier. Merci beaucoup. Merci, voilà. Voilà, Olivier était là toujours pour nous parler de Infinix Note 40, ce téléphone qui vient encore une fois révolutionner le monde, bien sûr, de communication. D'abord, dites-nous, donnez-nous les trois bonnes raisons d'utiliser Infinix Note 40. D'abord, au départ, il faut préciser, il y a des modèles. Okay. Il y a des Note 40. Il y a le Note 40 et le Note 40 Toco. Alors, le Note 40 et Note Pro. Note 40 Pro et Note 40 Toco. Ok. Oui, oui. Alors, le Note 40 se diffère seulement sur l'écran. D'accord. Alors, l'écran du Note 40, c'est un écran plat. Et pour le Note 40 Pro, Note 40 Pro, c'est un écran 3D. C'est un écran du genre, comme c'est curvé un peu. Voilà, comme celui que j'utilise, celui que j'utilise, bien sûr. Oui. Alors, la première des choses que je peux dire sur ces téléphones est que ces deux téléphones ont un stockage de 256 Go. Alors, le stockage là de 256 Go peut vous aider à beaucoup stocker des dossiers, des photos, des vidéos. Pour tous ces gens-là qui ont toujours un souci de stockage, ça c'est le premier point et qui peut les avantager. Le deuxième point, c'est sa caméra. Il a ça, 8 mégapixels des photos. C'est 8 mégapixels, incroyable. Alors, pour tous ces gens-là qui adorent prendre des photos et des souvenirs pour des et on adore tous prendre des photos en vrai. Mais il y a des gens là, dans des photos, franchement, c'est calé. Tu peux voir quelqu'un qui a un téléphone, mais il n'a que deux photos. Ok. Ben, il y a quelqu'un, si tu touches son téléphone, tu vois qu'il y a des photos. Après ça, le troisième point que je peux dire, c'est que les deux téléphones ont une capacité de charger d'autres téléphones. Ah ouais. Alors, comment ça marche? D'abord, il faut que le téléphone qui va charger puisse avoir la charge magnétique, parce que les deux téléphones en ont déjà. Alors, ça marche comment? Si tu prends le téléphone, l'un de ces téléphones, le Note 40, il y a un truc qui entre dans paramètres, et puis tu vas voir là que c'est écrit charge inversée. Il y a un truc qui doit d'abord activer là-bas, et puis tu places un téléphone derrière l'autre. Ça charge immédiatement, la charge magnétique. Parce que ça vous aide de ne pas dire non, système de charge, tu vois, du genre. Alors, ça vous facilite la tâche. Bien sûr. Alors, le troisième point est que les téléphones, à part cette charge magnétique qui peut charger notre téléphone, et que les téléphones, avec sa capacité de charger notre téléphone, il peut aussi transférer des données. Ah ouais. Tu vois, un téléphone peut devenir une machine. On a l'habitude de dire non, je vais transférer mes données depuis un téléphone avec une machine. Tu vois, on utilise le data transfer. C'est un câble que tu charges, que tu branches sur un autre téléphone et ça envoie les données sur l'autre. Ouais. Pas si Xenda ou Bluetooth comme on est habitué de le faire. Non, un téléphone devient comme un ordinateur de l'autre. Ok. Alors, à part ça, il a un chargeur de 70 watts. Ces chargeurs-là vous aident à charger votre téléphone dans seulement, au fait, de 0 à 50% dans seulement 16 minutes. Ouais. Alors, je crois que dans 16 minutes, je vais juste être précis, c'est le 16 minutes quand même. Tu vois, les 16 minutes, ça se traduit comme on dit, genre, tu quittes ta douche, en fait, tu quittes ta chambre pour ta douche, et puis tu reviens, c'est environ 15 ou 16 minutes comme ça. Ton téléphone était à plat, il y avait 0%, ça va quitter de 1 à 50% dans ce petit délai. Alors ça vous aide et ça vous facilite la tâche. Pourquoi? Parce que ce téléphone, d'abord, il est rapide, il a un RAM de 8. En fait, ça fonctionne très rapidement. Ah ouais. Et en plus, pour les pros, cet écran-là qui est curvé, ça vous aide et à voir tous les détails. Je vais dire, toutes les notifications qui s'affichent sur votre écran, ça vous dérange. Déjà, quand vous jouez, ça peut arriver des fois que vous jouez au jeu et puis les notifications viennent et ça bloque. Vous allez patienter que ça passe. Non, ça vous dérange pas. Ou déjà, vous êtes en train de suivre votre film préféré et puis les notifications, vous n'avez peut-être pas les Sumbu, non. Ça aide. Les notifications se filtrent en haut de l'écran. Ok. Ça aide. Après ça, je peux dire quoi, les speakers. Les speakers, je peux dire pour écouter de la musique ou quelqu'un t'a envoyé un message audio. Pour l'écouter, ça demande pas que tu puisses mettre ton téléphone sur les oreilles. Parce qu'on a, un partenariat avec JBL. On a des micros JBL. Tu peux essayer de voir si ton téléphone là-haut. JBL. Ah ouais, je vois. JBL. Alors là, ça vous aide. Vous pouvez écouter votre audio facilement. Ça met mettre
sous l'oreille parce que ça fonctionne très bien, vous écoutez très bien. Okay. Après ça, je vais aussi parler sur comment en avoir. Tu vois, il y a quelqu'un qui peut dire non, j'ai besoin de me procurer ce téléphone, mais je sais pas comment les trouver ou j'ai pas assez d'argent. Vous voyez. Alors, premièrement, on a aussi cette promotion là qu'on fait pour les gens qui viennent au shop. Tu peux aussi payer ton téléphone par tranche. Il suffit simplement que vous visitiez l'aide de nos shops Infinix ici en ville, que ce soit en ville ou à Katindo ou à Majengo, partout tu trouveras Infinix, les notes 40, on peut te donner le téléphone au crédit. Mais ce n'est pas que tu vas venir juste et tu avances un peu et tu pars avec le téléphone. Tu peux partir et ne pas revenir. Bien sûr. Ouais. Alors, ça vous aide comment? Vous avancez un peu d'argent que vous avez, parce qu'on vous donne les prix, et puis vous avancez le peu d'argent que vous avez, et quand vous allez totaliser la somme, on vous remet le téléphone. Très alors, ça fait partie des avantages qu'on donne aux clients, parce qu'il y a celui qui peut vouloir le téléphone, mais il n'a pas les prix. En fait, il n'a pas l'argent de le payer compatiblement au prix qui est au marché. Alors, à part ça, il y a aussi cette garantie-là qu'on vous donne. Quand vous payez un téléphone, vous avez une garantie de 13 mois. Les téléphones, ça peut arriver des fois, parce que c'est électronique, ça peut arriver des fois que le téléphone ne fonctionne pas très bien ou que le micro ne fonctionne pas très bien. Ça peut arriver des fois. Vous ramenez le téléphone en shop, on change. OK. Sans discussion. Mais ce qui fait à ce qu'un téléphone puisse ne pas avoir sa garantie, c'est du genre, on met un dan et puis on a vu un écran. Tu vois, là, c'est compliqué. Oui, ça, tu n'as pas été prudent en fait. Mm-hmm. Ah, moi, on a Dumbukizi en match. Voilà. Tu vois? T'as pas été pris. Et pour quelqu'un, par exemple, moyen, genre, téléphone, on a senti qu'il fonctionnait bien. Ok. Et puis, qu'il y en a un bébé à réparateur, un fungou là, un galier, qu'est-ce qui se passe? Puis, à un certain moment, pas taquille, c'est maintenant, on va des routiers comme maison et tout. Alors, ce qui est là, si tu donnes un téléphone à un réparateur, déjà, mets-toi chambre garantie. Guissi, ne m'essaye pas, si tu as ton téléphone et que ça fonctionne pas, la première des choses, retourne au shop. Okay. Ouais. C'est eux qui vont s'en charger, ça ne te concerne pas. Mm-hmm. Parce qu'il y a comme garantie, tu es sous je ne peux dire sous contrat pendant 13 mois. Mm-hmm. Alors, il faut, on a au dire qu'au shop, eux, ils vont savoir comment arranger. Parce qu'on a une maison de réparation à nous, propre à nous. Parce que quand on a un téléphone, on a un fungou là. Mm-hmm. Peut-être qu'ils vont dire que ma pièce, c'est original, ça il est. Ouais. Il est tout qui fungou là déjà, mais je me garantis. Parce que ça se voit, les techniciens voient, ils vont ou chez ta chambre garantie. Et puis ça, on ne touche pas. C'est considéré comme si ce n'était pas encore à nous. Mm-hmm. Ce n'est pas à nous parce que chez ta chambre garantie, ça t'appartient toi seul. Okay. Mais quand tu as une garantie, ton téléphone t'appartient et on est là pour te servir. Voilà. Ouais. Voilà. Alors, et puis les prix sur les marchés, c'est comment, voilà, si on peut avoir une idée sur les prix. Ok, d'accord, très bien. En fait, le prix, d'abord, au départ, c'est les notes 40, c'est déjà $20. Mais on a une surprise pour tous nos clients qui suivent Calvin Moulungu. Voilà. En fait, qui te suivent, tu vois. Voilà. Alors, pour tout celui qui suit Calvin Moulungu comme consigne, c'est lui qui va au shop et dit non, j'ai suivi l'émission, l'émission de Calvin Moulungu, le prix, c'est à $10. Les notes 40. Pour notre 40. Oui. Alors, pour les notes 40 Pro, le prix normal, c'est $70. Mais celui qui a suivi l'émission, $55. Vous voyez, il y a une réduction en plus. C'est une promotion. Voilà. Donc, pour les gens qui nous suivent déjà, on vient de lancer cette promo, les amis. Venez nombrer dans tous les shops Infinix ou carrément dans tous les shops où on voit des téléphones. Il y a toujours des téléphones Infinix. Demandez Infinix Note 40. Au lieu de $220 pour Note 40, on va vous donner ça à $10. Plus un cadeau. Ouais. Ça, si on doit. Ouais, c'est précis. Voilà. J'avais oublié ce point. Plus un cadeau. Un cadeau. Ouais. Voilà. Voilà. Donc, et si on ne vous donne pas le cadeau, il faut vraiment insister. Ouais. Voilà, il faut vraiment insister. Ou quand même nous appeler aussi. Ouais. Facilement, PA, vous remettre votre cadeau. Alors, sachez que et quand on donne les téléphones, on donne tous les détails, genre pochette, ok, classe, d'accord. Très bien. Oui, oui. Il faut préciser ça. Parce que. Il y a un boss monnaie qui est comme boutique. Il y a un boss qui est comme boutique. Alors, quand tu te payes un téléphone, il y a les accessoires, il y a pochette, il y a la glace. Quand tu payes un téléphone, si tu ne veux pas combien, non, ah, où tu as la glace, je sais qu'il y a quoi. Voilà. Alors, ben, au fait, ce que tu as fait, c'est acheter ton téléphone. Tu vas recevoir tous ces accessoires-là. Voilà, ouais. Très bien. Et puis, donc, on n'a pas ta glace, pochette, chargeur. Pochette, glace, chargeur. Chargeur avec câble, chargeur sans fil. Ok. Plus cadeau. Plus cadeau, ouais. Voilà. Et pour Note 40 Pro?
Pour notre 40 Pro, les accessoires, c'est toujours les mêmes. Voilà. Et ouais. Le prix? Le prix, c'est 270 $ pour celui qui n'a pas suivi l'émission. Voilà. Alors, ben, disons qu'on parle de ceux-là qui ont suivi l'émission. Parce que et vous recevez le téléphone à 255 $. Voilà. Mais avec consigne. J'ai suivi l'émission de Calvin Moulou. Mm-hmm. Il ne faut pas dire non, moi, je viens, j'ai suivi l'émission. Où? Voilà. Chez qui? Il faut préciser. J'ai suivi l'émission chez Calvin Moulou. Je sais les prix. Mm-hmm. Ben, disons que t'as pas même droit, au fait, t'as pas même besoin de demander le prix parce que tu le sais déjà. Très bien. Tu viens, si tu veux les pros, ben 155. Et on te remet directement aussi sur ton cadeau. Ouais. Voilà. Très bien. Donc, les amis, allez déjà dans tous les shops, allez acheter déjà ce téléphone Infinix Note 40, Infinix Note 40 Pro, car ce sont des téléphones qui ont beaucoup plus d'avantages, les amis. D'ailleurs, je récite pas mal de témoignages des gens qui l'utilisent déjà. C'est vrai, ce sont des téléphones qui ont des fonctionnements exceptionnels. Tente également, essaie également. Donc, au Sitchung et tout, par quoi, quoi, les airs qui n'ont Infinix Note 40 et Note 40 Pro Château que non. Naoué Pima. Et je sais bien que tu n'as pas de résultat bien. Note à Choudia, bien sûr. Sinon, Olivier, un petit dernier message aux gens qui doutent encore d'utiliser Infinix Note 40 et Note 40 Pro. Je crois qu'ils n'ont pas raison de douter. Ouais. Il faut qu'ils expérimentent le téléphone. Bien sûr. Parce qu'ils ont une garantie. Mmh. Ben, quand tu as une garantie, je ne crois pas que tu aies encore à douter. On te rassure quelque chose. On te rassure tout. Mm-hmm. Tu as toute ton assurance. Alors, pourquoi douter? Voilà. C'est un téléphone qui a un bon stockage de 256 Go. Ben, le téléphone prend des belles photos. La charge magnétique, c'est une technologie que tous les téléphones n'ont pas. Mm-hmm. Ben, on en a chez nous alors. Voilà. Tu vois, tu peux partager de l'énergie pour les autres. Tu vois? C'est son câble là qui peut transférer des données pour un autre téléphone, depuis un téléphone vers un autre. Voilà. Son chargeur là, les fast charge, tu vois. C'est quelque chose franchement des nouveaux et qu'on n'avait pas l'habitude de voir. Je crois que tout le monde peut commencer par expérimenter un Phoenix. Je vous assure qu'il ne sera pas déçu. Voilà, donc bienvenue dans notre monde de Phoenix Note 40 et Note 40 Pro. Et vous ne serez pas vraiment déçu. Sinon, merci encore d'être passé chez nous, Olivier. Merci. Voilà, on se retrouve à la prochaine. Et rassurez-vous que vous avez un Phoenix Note 40 ou un Phoenix Note 40 Pro. On est ensemble. Take note. Take note. Nose for your dome, last you for days. No steady, bring it right back on the way. No steady, give me straight haze. No delay, I got nose for you, even if you have it all. Take note.